Yo, shout out my boy Abu. Abu, i am a deep, uh, rough, Roth eh, a balusa clash lah. Just regarding uh, video, yeah, it's a of a video, so we on my favorite video. Regarding south. on song on a live, y'all already know your boy No Tax is here. Let's see what's going on together, man. Yeah, hey, uh, deep my down the come vote point of view. See, that's good, Roth a eh, Toru you know, kiss surpass it. De votre point de vue <coughs> Ce message s'adresse à Rof, qui m'a attaqué sur Instagram. Le rap français, le rap français. J'avais mis une pause hein, exprès pour ce genre de choses dans le rap français. Euh, et en général, quand j'ai des embrouilles comme ça, tu vois, ça se règle toujours en privé. Clac, <coughs> il y a un problème, on se parle en privé, c'est réglé. Mais là, ça a préféré mettre sur euh, les réseaux. Donc, je vais répondre sur les réseaux en faisant ce que je sais faire de mieux. Une vidéo. So, Rolf, oh, attends, avant qu'on a envoyé le message. il a quoi Posté sur, sur um, Twitter, posté sur Instagram. Il est où le message de Rolf qui a attaqué uh, Il a envoyé à Il s'en est où le message? Bon là j'ai les screens euh, des attaques de Rove devant moi. Et en fait ça me choque parce qu'en fait je me dis putain, j'étais type, peu, je l'ai découvert, j'étais au collège sur première classe. Et là je me retrouve à devoir répondre à des accusations qui sont un peu tirées par les cheveux. Mais on y va, c'est le game, on rentre dedans. Déjà je vais pas rentrer dans ton jeu d'insultes, de je sais pas quoi, etc. Non, non, moi je vais débunker tout ce que tu as dit et je vais te parler comme je t'aurais parlé en face, comme un bonhomme. Déjà, m'associe à personne. Balou, c'est Balou. Quand je prends mes positions, quand je dis des choses, c'est moi et ça n'engage que moi. Il n'y a pas de nom, de je sais pas quoi. Balou, c'est Balou. Tu fais de la diffamation sur un gars comme Chris et sur moi aussi. Quelle que soit votre activité, elle est meilleure yeah, avec bon un bon site coup, web. Découvrez moi, le créateur de site web d'Ostinger. Le... Yeah, Ou hey, tu associes me Chris me à Marcus Dia. Alors pour ceux qui connaissent pas Marcus Dia, c'est un média. Un média qui fait des enquêtes un peu, il tire un peu sur des gens, enfin il fait ce truc quoi. Et tu. <laughs> Mais c'est la folie. Tu dis que Marcus Dia, c'est Chris. Sans argument, sans preuve concrète, sans quoi que ce soit. T'attaques un mec qui n'a jamais manqué de respect à personne. Encore moi, j'ai une grande gueule, des fois je casse un peu les couilles sur Internet, je peux... peux comprendre qu'il y a des gens qui me titillent, qui me répondent et tout. Mais là, t'attaques un mec qui n'a jamais manqué de respect à personne sur Internet. Un mec qui est posé, qui est calme, qui est bien avec tout le monde, tu l'accuses d'être une autre personne. Mais tu te rends même pas compte à quel point c'est une dinguerie. C'est comme si moi, on me dit que je suis Tonton Marcel. Tu vois bien que je suis pas Tonton Marcel. On sait tous que Chris Daikonic, c'est pas Marcus Dia. Ça a aucun sens. Vraiment, ça a aucun sens. Et je vais aller même plus loin. Sans preuve, t'es parti insulter la mère du Boug. T'es parti jusqu'à insulter la mère du Boug. Toi qui dis mec de valeur, le respect, etc. Tu connais même pas sa situation avec sa daronne, t'es parti insulter sa daronne. Oh damn, hold on, bro. Qu'est-ce qu'il y a? Hold on, Rolf. Ah, oh, bro. Là, t'as insulté sa maman, man. Like, attends. Pourquoi tu insultes Chris et pourquoi tu insultes Balou Ça, c'est la question. Ils avaient fait quoi à toi? Pour insult, you know what I'm saying? Why are you insulting these dudes, man? What they, what have they done to you? You think they Marcus? Dia out? J C could Dia He, he, to, he to attack, man. He pro a uh, Booba. May good lot, look good luck. Kiskey's have to So I said, pour pour insult. I pray insult the la 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 man. That's crazy. Respect, etc. Tu connais même pas sa situation avec sa daronne, t'es parti insulter sa daronne. Non, c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie. Tu m'accuses, moi, euh, de t'avoir utilisé pour ma street crédibilité. Alors, pour ceux qui savent pas, dans un épisode de CKO, euh, j'ai expliqué comme quoi ça me fout la haine que les jeunes parlent mal de Mafia Quinfrey, de Roff, de Booba, de ceci, cela. Et je les ai cités. Ce que je trouve normal, ce que j'ai toujours fait euh, quand, quand je parle de rap français. Et là, tu m'accuses. D'utiliser ton nom pour de la street crédibilité. Mais qu'est-ce que je m'en fous de la street crédibilité J'ai 35 ans, je viens d'avoir un enfant. Moi, ce que je veux, c'est la street liberté, frérot. La street crédibilité, tu veux que je dise quoi Oh, je fais des bacards, j'ai braqué des gens, et je m'en bats les couilles de ça. Moi, la street, je l'ai vue. Que ça soit à Montfermeil, que ça soit aux Antilles, que ça soit à Los Angeles, je l'ai vue, je l'ai vécu. Mais je trouve qu'on ne doit pas être des produits de notre environnement, de, de trucs, de ceci, de cela. Moi, ce que je prône et ce que j'ai toujours prôné, c'est l'émancipation financière et l'émancipation mentale. Donc ça veut dire, moi, ce que je veux, et ce que je dis dans mes vidéos, et ce que je veux faire, c'est montrer que même si on vient d'en bas, même si on vient du ghetto, on ne veut pas y rester, on ne veut pas être dans les codes, euh, on la bagarre, la drogue, la je sais pas quoi, là, non, non, ça, je m'en bats les couilles. C'est qu'on peut faire des grandes choses et qu'on peut inspirer les gens. Ça a toujours été mon mindset. Hein, tu peux regarder sur mes réseaux depuis le début, ça a toujours été mon mindset. Tu vas me dire que je veux de la street crédibilité. Tu vois pas que je fais des blagues, des trucs, j'en ai rien à foutre de la street crédibilité. Tu veux que je dise quoi euh, Je m'en fous de ça, frère. Tu parles que je suis un bobo, que je suis je sais pas quoi. Hey, tu peux demander à tout le monde à Montfermeil, on me respecte. Et quand je dis on me respecte, c'est pas en mode oh, bah Lou, c'est le bagarreur, c'est le mec chaud, c'est le mec qui casse des bouches. Non, 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 non. On me respecte pourquoi Parce que j'ai toujours voulu apporter ma pierre à l'édifice dans ma ville. Que ça soit en tant qu'animateur pour les jeunes, que ça soit pour aider les jeunes euh, à l'espace jeunesse, que ça soit pour créer des événements pour les jeunes de ma ville, que ça soit des événements de danse à l'époque ou même des événements de rap qui réunissent tous les rappeurs de ma ville, que ça soit pour pousser même les artistes de chez moi. J'ai toujours poussé les artistes de chez moi sur mes médias. Quand j'étais à la radio à génération ou peu importe, j'ai toujours poussé toujours de, tout le monde de chez moi. Donc le truc de Balou Bobo non 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 ça marche hop ça marche vraiment pas et tu vas pas réussir à détourner le truc sans moi. Tu m'accuses de jamais avoir parlé de ta musique ou de ton dernier album. Donc déjà je vais t'arrêter tout de suite. Ton dernier album j'en ai pas parlé parce que j'ai plus de médias de rap depuis 2-3 ans. Pourquoi j'ai plus de médias de rap Alors, On va parler de ta street crédibilité. J'ai plus de médias de rap. Parce que mon associé avec qui j'avais un média qui s'appelle French Plug s'est fait tirer dessus cinq fois chez lui et il est mort. Et j'ai décidé d'arrêter, de me mettre sur l'entertainment et de faire des émissions avec moi. Yes. De, de faire mon petit oseille, de faire mes... Voilà, tu vois, là, j'ai ma marque. J tu vois, ça, c'est un maillot que je fais pour chez Wam la Guadeloupe. Tu vois, ça, c'est ma casquette que je fais pour la Guadeloupe que, que je vais drop bientôt. Tu vois, je fais des choses pour les gens de chez Wam. Tu me parles de street crédibilité. Par contre, avant que j'arrête le rap, ose dire que j'ai pas parlé de toi. Vas-y, ose dire que j'ai pas parlé de toi. C'est quoi J'ai les preuves. Vas-y. On y va. Ah parce que tu as attaqué les mauvaises personnes, tu as attaqué les gens gratuitement. Regarde, c'est là. Boum. Là tu t'approves Balou, tout ça qu'elle est a. Regarde, regarde, regarde. Regarde, boum. Clac clac clac. C'est là. Hein. surnaturel, Arctique. surnaturel, arctique, extrait arctique, disque d'or, truc. Non non non. On a même fait une interview ensemble. Attends, on a même fait une interview ensemble. Hein. Alors regarde, Rof en 2019 qui a fait 155 000 vues. Donc, en fait, le vrai problème, le vrai problème, là, il n'est pas de tout ce que tu as dit. Le vrai problème, on sait tous c'est quoi. Euh, le vrai problème, c'est parce que Booba a donné de la force à CKO. Booba a donné de la force à notre média. Donc, automatiquement, tu nous as engrainé dans ton bif avec Booba. Mais nous, on n'est pas dans vos bifs. Vos bifs, ils ont commencé, j'étais au collège. On n'est pas dans vos bifs. Et on s'en fout de vos bifs. Là, c'est See, Rolf, I fade the shows. Come, side, Pascal, Booba, I don't need La Force. Uh-uh. So I said, nah, n'importe So I said, hater, bro. Rolf, if you really did that, bro, you a hater, bro. You can't, bro, why would you put them in your beef with Booba? That's the New something is Legion the Media, on fade the media. When they probably download beef inside, on Shoisy the Côté, Gauche, Côté, Droit. Yeah, Me and mom, i just uh, reading your Booba, I'm reading your Roth, I'm reading your Gims. J'ai mon fou. Just be part of the same thing. Nah, man, on fait de media, bro. On est, on, est, on est au milieu, bro. You know what I'm saying? You ramen pas ramener de gens dans ton, ton beef qui a rien à voir avec ton beef. See, si Booba don't force à eux parce qu'ils ont commencé leur media. Ça c'est bien pour eux. Talk to them for the same shows. Tu vois? Bif, on commençait, on était au collège. Nous, on a fait un média, comme je l'ai dit, pour tirer vers le haut la culture. C'est notre seul objectif. Le reste, on s'en bat les couilles. T'as pris une vidéo carrément, une vidéo que j'avais faite en 2015 ou 2016, une vidéo humoristique que j'avais faite, euh, où c'était, vous savez, l'époque des podcasts, là, un peu comme les Cyprien, Mr V et tout. C'était une vidéo où j'expliquais que les fans de rap, c'était tellement des oufs, que ça en devenait même religieux. Tu vois, j'étais en train de dénoncer le fanatisme des fans de rap, et j'ai montré comment des fans pouvaient aller pour se battre contre leur rappeur préféré, contre, contre les ennemis de leur rappeur préféré. Tu as détourné ma vidéo, et tu m'as fait passer pour un mec d'une secte satanique. Et c'est une vidéo qui était en non répertorié, je sais même pas comment tu l'as retrouvée. Non, je suis obligé de débunk un peu tout ce que tu as dit, parce que tu vas trop loin. Ensuite, dans ton bif face à Booba, T'as voulu nous embringuer dans une guerre de médias avec la Lamal et avec Ice. Moi, la Lamal, j'ai son numéro, on a déjà échangé, on n'a pas de problème. Ice, je l'ai vu à l'époque de Génération, je l'ai interviewé, je le connais pas plus que ça, mais j'ai pas de problème avec lui. On n'est pas les petites boubas. On n'est pas les petites boubas au même titre que la Lamal et Ice sont pas tes petits. Donc cette guerre de médias que t'as voulu créer, moi je suis pas dans ça. J'ai des guerres avec personne. La seule chose que je veux, c'est pousser la culture vers le haut. C'est la seule chose que je veux. Vos guerres de je sais pas quoi, je suis pas dans ça. Et l'autre truc de qu'il faut bien préciser, c'est que si KO, je suis coproducteur avec Chris, ça nous appartient. C'est notre média, c'est notre média à Chris et à moi. Alors Ouais, Bouba, il nous a donné de la seufort, il nous a fait des passes, bien sûr. Il nous a fait des passes en backstage, il nous a donné de la seufort, mais le média, Balou et Chris, il nous appartient. Si demain on veut ramener a, B ou C, on ramène A, B ou C. On était même là dans un truc de. On ramène la fouine, on ramène truc, on s'en bat les couilles de vos bifs. Vos bifs, ils ont commencé, on était au collège, on n'est pas dedans. Là, j'ai un enfant, j'ai un frigo à remplir, euh, j'ai une famille, euh, j'ai tout qui. Tu vois ce que je veux dire Ça, je m'en bats les couilles en fait, frère. Vraiment, je m'en bats les couilles de ces trucs de bifs, de je ne sais pas quoi. Vous avez vos bifs, nous, on a nos projets. Tu vois Et je le répète, Hein Voir des mecs comme euh, peu importe les médias qui entreprennent, qui fonctionnent, tant que je vois un mec réussir, je suis content. Le reste là, tout le reste, c'est pas mon délire. Donc maintenant, si t'es un bonhomme et t'as des valeurs comme tu le dis, vas-y, reviens sur tes paroles. Reviens sur tes paroles et admets que t'as fucked up. Admets que tu t'es trompé. Tu peux admettre que tu t'es trompé. Moi, comme j'ai dit, je suis disponible partout. Il n'y a pas de galère. Mais le manque de respect gratuit comme ça, parce que vous avez des bifs, c'est pas validé. En tout cas, force à vous tous, l'équipe. J'ai essayé d'être le plus transparent possible. On en est ensemble, c'est balou. Peace. Vous me faites de la peine. Sérieux, oh, ça hey, fait combien de temps que vous je essayez de gagner de l'argent Hey, non. C'est la vérité. Là, je pense que. Parce que. Depuis que j'ai regardé un peu le balou, il a jamais fait uh, de bif ou de, de choses comme ça. C'est toujours. Uh, parfois the comedy or parfois the the reagir des gens, de de la culture tout ça. Hey, Rolf, man, see that vraiment face up, bro? I said, of the hater, man. Yeah, I'm saying hater, man. I je to, you 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 know what I'm saying? Y'a toujours deux côtés d'une histoire ya de bleu uh, ya dit son histo son son côté hey, my maintenant il faut de dit son côté on oh, laisse tomber hein huh? on oh, sait que shit that you do and that fucked up comme ya dit et mettez fucked up man but you know these insults and come out the on the media say non part de quoi Raymond bro Raymond man but y'all y'all tell me what y'all think y'all already know man i got to get out of here i got to go train these young boys so I'll approach him.